Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec enfin le grand retour du girls group coréen Dreamcatcher. Vous savez, mon amour déjà d'or pour le rock et pour ce groupe, tout simplement. Vous savez, j'ai eu l'occasion de les voir il y a 2 ans, je pense, à Forêt Nationale sur Bruxelles. Et je peux vous dire qu'ils mettent le feu sur scène, même si c'était que une petite heure. C'était déjà ça. Franchement, j'aime tout leur concept, que ce soit rock, dark. J'aime tellement ce groupe. Je pense pas que je vais plus m'étaler. Je n'ai vu, mais aucun teaser vidéo, donc je sais pas ça va être quoi comme son, mais j'espère qu'ils vont rester dans ce qu'ils font le mieux. Par contre, j'ai vu des teasers photos parce que je suis souvent la photographe et j'adore son taf. Et encore une fois, il a mis les Dreamcatcher, c'était tellement beau ces photos, je peux pas vous dire, j'ai sûr kiffé. À mon avis, je vais acheter toutes les versions, mais quand j'aurai eu de la mini, parce que mon séjour à Bruxelles, je pense que je me suis ruinée. Oui, que 2 jours, mais quand vous faites des restos sur restos et que vous voyez des épiceries asiatiques et en même temps quand vous allez dans une boutique où ils vendent que des albums, puis oui, j'ai un petit peu craqué. Pas beaucoup, mais ça monte très vite. Même quand tu achètes que 4 albums, t'es vite à 100 balles. Soit, passons, je vais découvrir enfin leur nouveau titre qui est sorti hier. Go! Oh. Because. On dirait dans une sorte d'hôtel. Oh, comme si c'était des marionnettes. Comme dans une sorte d'hôtel fantomatique. Moi, ah. Figé. Yes. Oh, leur tenue. Dans une fête foraine, pourquoi? Un peu Alice au pays des merveilles, mais glauque en fait. Y'a canon. Oh, elle est trop choupi. Oh. Ouah, Demi. Waouh. Ah, mon cœur. Waouh. Ah. J'ai eu des frissons. Il y a le Covid, mais là, franchement, esthétiquement, j'aime tout ce côté vert pour faire plus flipper, quoi. On retourne dans cet hôtel là, la conciergerie. Ça fait vraiment penser à la tenue dans Alice au pays des merveilles. Après, avec le temps qui passe avec le lapin et tout là, c'est qui ces personnages là? On le retrouve vraiment avec leur titre. Oh, je sais plus, je mettrai ici. Ça fait très Halloween. Ils auraient pu sortir ce son à Halloween, moi je trouve. Il y a tellement de détails et de plans rafales que tu dis, je vais où? Cette pomme, un peu comme Blanche-Neige, hein. C'est trop bien fait dans ce miroir, vraiment. Et vraiment, leur truc, dans les yeux, cette foraine. Elle court. Elle fait quoi? C'est trop beau! Le regard, j'aime le fait qu'ils ont une tenue chic.
qu'une différente qui représente un personnage peut-être. Alors, gros big coup de cœur pour pas changer leur chanson. Franchement, je pense que je vais réécouter. En plus, j'ai déjà téléchargé l'album hier parce que je me dis vite quand je fais la réaction pour vite écouter. Et cet album, le MV, on en parle du MV, mais esthétiquement parlant, c'est encore un chef-d'œuvre comme leur précédent comeback. À chaque fois, je sais pas qui produit ces MV, mais c'est juste esthétiquement parlant. Parfait, et j'aime vraiment ce côté dark rock, on les retrouve mais totalement dans cette thématique. Vraiment, il y avait tellement de détails, tous ces décors avec ce côté très glauque, fête foraine, mais en même temps film d'horreur, ces poupées, on a l'impression parfois qu'ils jouaient des personnages différents en mode mais pantin un petit peu, vraiment une thématique à la Tim Burton. T'as vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression, oui je dis souvent ça, là maintenant, je sais pas pourquoi je me répète, que chaque fille était chaque fois un personnage différent. On en parle de vraiment tous ces décors, enfin ce travail fait dans leur make-up, mais en même temps c'est sorte de stickers, mais enfin je sais pas, t'as l'impression que carrément c'était ancré en eux tellement que c'était bien fait. Et Demi, juste superbe. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, mais alors la vidéo va être tellement longue que ça va vous faire chier royalement. Tout ce que je peux vous dire que c'était seulement mais un surkiff. C'est du Dreamcatcher dans toute sa splendeur et il méritait tellement plus de reconnaissance, je trouve, pour ce taf, mais astronomique. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout autant que moi l'esthétique du MV et également leur nouveau son. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouverai très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.